Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 116. Psaume chapitre 116, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 116, nous lisons la parole de Dieu. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend, ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'éleverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Nous avons la victoire. C'est en ton nom que nous avons la victoire, mon Sauveur. Nous en sommes vraiment tellement heureux, Seigneur, d'avoir pu hériter de ce nom, de pouvoir la porter, Père Tout-Puissant, Dieu, et de pouvoir être aussi privilégié parmi les hommes sur la terre, mon bénémoine Père Saint-Dieu, de revêtir ton nom, mon Sauveur. Merci de t'être révélé aussi à nous, Père.
Nous te sommes vraiment reconnaissants en cette journée, Seigneur Jésus, où nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble, Père, avec ce peuple que tu as vraiment racheté aussi, Père Saint-Dieu, et que tu aimes, mon bien-aimé Père Seigneur, que tu conduis encore dans ce temps où nous vivons aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ceux qui sont ici et ceux qui sont aussi en connexion et ceux qui sont aussi à différents endroits où sont rassemblés pour glorifier ton Saint-Nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec le désir profond de ce que tu puisses aussi nous parler dans ce temps où nous sommes, parce que nous avons toujours besoin de pouvoir entendre ta voix. Seigneur, tu es notre lumière, mon roi, qui nous éclaire encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi pour voir réellement aussi notre sentier, pour voir réellement aussi comment nous devons marcher, Père Saint-Dieu, et aussi nous parler pour que nous puissions comprendre et savoir comment nous devons faire tout pour te plaire, mon bien-aimé Père Tibissant, et de quelle manière les choses doivent être faites dans notre vie, Seigneur. Oh, nous voulons que toi, tu nous enseignes. Nous ne voulons pas t'enseigner, Seigneur. Apprends-nous comment pouvoir faire les choses, mon roi. Apprends-nous davantage à comment pouvoir prendre ta parole, Père Tibissant, la recevoir comme toi, tu la veux, Seigneur. Non pas comme nous, nous pouvons penser, Seigneur, mais instruis-nous encore davantage, mon roi. Seigneur, tu connais notre cœur. Nous avons besoin que tu travailles, mon bien-aimé, Père Tibissant, que tu nettoies davantage, mon roi, que tu puisses réellement nous donner un cœur qui te convient, toi, comme tu as dit, un cœur nouveau, ce soir, Seigneur, qui est conforme à ta volonté, à toi. Bénis ce peuple à cet endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu connais le besoin de chacun, le désir profond de tout un chacun, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il y en a de ceux qui sont malades, d'autres possédés, d'autres qui ont des situations difficiles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais nous savons que toi, tu nous as fait la promesse que tu es la solution à tous nos problèmes. Tu nous guéris de nos maladies, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous délivres, Père Tout-Puissant. Seigneur, tu es tout pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus, parce qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut aller, Seigneur. Le médecin n'a rien fait pour nous, Seigneur, mais c'est toi qui es capable de nous encourager, mon sauveur. Nous te remercions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ta fidélité. Nous avons confiance en toi et nous rendons merci pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aussi pour l'adoration. Merci pour tout ton peuple qui a chanté, pour les témoignages, pour ce qui a été fait en cette matinée, bien-aimé Père Saint-Dieu. Les enfants qui t'ont chanté, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, mon sauveur. Oh, ta parole est vraiment la vérité, Seigneur. Tu as tiré aussi le louange de la section de la mamelle, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Dieu, les enfants te loueront, les enfants te glorifieront, parce que tu es réellement Dieu, et tu fais des choses merveilleuses dans leur vie aussi, mon bien-aimé Père. Bénis aussi leurs parents, bien-aimé Père, tu es son Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié et exalté. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouirons toujours, comme l'apôtre Paul l'a dit, réjouissez-vous toujours. Et chaque fois que nous avons cette grâce et ce privilège d'être dans sa maison, nous ne pouvons que lui dire merci d'avoir permis que nous puissions être aussi rassemblés en son nom. Et la grâce aussi d'avoir aussi des frères et sœurs qui sont en communion avec nous aussi, comme la Bible dit que c'est vrai qu'il est doux, agréable pour deux frères de demeurer unis donc ensemble. Nous nous réjouissons de tout notre cœur de cette grâce que Dieu nous a accordée. Que Dieu soit béni pour notre frère Nathan qui est venu. C'est une joie de pouvoir les voir aussi en ce jour. Et pour tous ceux qui sont aussi venus de loin, notre sœur Esther et tous ceux-là qui sont venus aussi des différents endroits aussi. Que Dieu le bénisse, que Dieu les soutienne et les fortifie. Nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir aussi, parce que c'est vrai, comme la Bible le dit, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là que l'Éternel, notre Dieu, déverse donc la vie en abondance aussi. Et c'est là régit aussi le cœur de chacun, parce que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc recommandé. Lorsque nous pouvons voir effectivement aussi dans les Saintes Écritures, nous pouvons réaliser que Dieu notre Seigneur nous a parlé, il nous a aussi donné des principes aussi, et puis des exemples, des modèles, de manière à ce que nous puissions être dans l'assurance lorsque nous marchons avec lui et que nous le servons. En fait, c'est pour ce que nous puissions arriver à pouvoir, puisqu'il a eu à pouvoir parler, et nous avons vu comment les choses se sont passées dans la vie de ceux qui ont cru effectivement en rapport avec ce qu'il avait déclaré. Ce qui veut dire que nous avons déjà un témoignage qui doit nous
confirmer qu'effectivement, que lorsque l'on croit la parole de Dieu, donc les résultats doivent être absolument comme ça. Donc si moi, j'ai cru aussi de tout mon cœur comme cela que nous avons pu avoir la grâce et la joie de pouvoir voir, parce que la Bible est notre absolu, et ce qu'elle déclare est certainement la vérité, parce que nous avons pu voir comment Dieu a confirmé donc sa parole dans la vie de tous ceux-là qui ont eu à pouvoir croire et qui se sont aussi accrochés donc à la parole de Dieu. Il y a eu aussi certainement, comme la Bible le fait savoir, que les interprétations, les faux prophètes qui sont aussi venus comme Anania, ainsi de suite, effectivement, qui a eu aussi à pouvoir. Et tous ceux qui se sont donc accrochés à ce que Dieu avait réellement déclaré, nous avons pu voir comment effectivement aussi leur vie a été effectivement aussi, comment donc ils ont vécu. Ce qui veut dire que nous avons quand même devant nous des témoignages aussi indélébiles qui font des témoignages fermes, sûrs et solides, qui nous permet aussi de pouvoir regarder en rapport avec ce que nous sommes devenus, comme nous le disons aussi que nous avons reçu. La Bible le déclare effectivement que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si ceux qui l'ont reçu avant nous, avant même que nous ne puissions être, et leur vie a été comme ceci et comme cela, et que le Seigneur a eu à pouvoir agir ainsi, nous pouvons donc être aussi sûrs que, en nous regardant effectivement dans notre vie, sans l'ombre d'un doute, par ça que nous puissions nous donner nous-mêmes effectivement aussi de félicitations, la parole de Dieu doit arriver à pouvoir aussi témoigner, comme la Bible le dit, au chapitre 8, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage donc à notre esprit, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, donc l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ, dont il est parlé effectivement dans Romains au chapitre 8, qui dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est cet Esprit de Christ, effectivement, qui rend témoignage à l'Esprit qui est en nous, donc l'Esprit que nous avons, effectivement, l'un, effectivement, que nous sommes véritablement enfants de Dieu, parce que nous voyons que ceux aussi qui avaient donc reçu Christ dans leur vie, comment ils ont eu à pouvoir marcher quand je me regarde aussi, par rapport, pas à un voisin ou un frère ou une sœur, mais par rapport aux saintes écritures, à la vie que la parole de Dieu a produit effectivement dans le cœur, dans la vie de ceux qui ont cru, alors quand je me regarde comme eux aussi, j'ai dit gloire à toi Seigneur. Tu as fait quelque chose dans ma vie. Je peux donc aussi proclamer que je suis donc sauvé. Là, nous pouvons réaliser qu'effectivement, que le salut est une réalité. Quand nous pouvons voir, par exemple, effectivement, aussi, parce que nous remarquons que dans les Saintes Écritures, le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir d'abord proclamer la chose et puis, nous avons pu voir effectivement aussi son accomplissement, donc dans les actes, effectivement, dans les évangiles, il a eu à pouvoir donc proclamer, dire effectivement ce qu'il allait faire. Et puis, dans les actes, nous avons pu voir en réalité l'accomplissement de cela. Parce que dans Matthieu au chapitre 16, il a dit, comme Pierre avait donc répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es donc heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Eh bien, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alors il dit, mais sur cette révélation que tu viens de recevoir, je bâtirai mon église. Et nous comprenons très bien que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré. Il n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un pour bâtir mon église. Il a dit lui-même que donc c'est lui-même qui va bâtir son église. Et comme nous le savons, nous l'avons entendu aussi que s'il a une église, alors il doit être donc le berger. C'est-à-dire il doit être donc le pasteur. Il a dit lui-même, je suis donc le bon berger. Alors s'il est vraiment le bon berger, alors s'il est le pasteur, comme la Bible le déclare, nous avons appris que nous vos saintes écritures montrent simplement que dans une église, il n'y a souvent et certainement qu'une seule, toujours.
Ah oui, il ne peut pas y en avoir deux. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, doit être la tête de son Église, le seul qui doit être. Et là, c'est ce que aussi les Saintes Écritures, effectivement, nous témoignent, en fait, nous rendent témoignage, effectivement, que dans les livres des Éphésiens, en fait, je pense que c'est cela, nous pouvons peut-être le lire dans les Éphésiens au chapitre 2, je crois que c'est cela, où la Bible fait référence à cela, nous pourrons trouver cela, oui. Dans les Éphésiens, donc, je pense que c'était le chapitre 1, pardon. Éphésiens, donc, au chapitre 1, donc, nous pouvons lire à partir du verset 7, hein, et, oui, ça beaucoup, c'est cela, vous dites. Bon, peut-être qu'on peut lire ici, à partir du verset 13, oui. Parce que les autres, ça vous connaissez aussi, je vais sauter un tout petit peu. Alors, verset 13, il dit, « En lui donc, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est donc acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus donc, et de votre charité pour tous les saints, merveilleux, hein, quand on a la foi au Seigneur, l'amour doit découler. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve toujours au saints, mon frère. Et quelle est envers nous qui croyons, nous croyons en qui? En lui, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé aussi en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis, donc il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, c'est-à-dire que la tête, effectivement, donc chef suprême à l'Église, qui est donc son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc, effectivement, et dans les Éphésiens chapitre 5, je pense qu'à partir de toujours Éphésiens chapitre 5, on va lire aussi, à partir du verset 22, effectivement, que donc, alors il dit, femmes, soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est donc son corps et dont il est donc le sauveur. Donc, il est la tête. Il est effectivement la tête suprême comme le Seigneur, comme la Bible le dit effectivement. Donc il a dit, je bâtirai mon église. Donc dans cette église-là, il est le chef. Il est le berger. Et c'est lui qui a le droit, effectivement, c'est merveilleux de pouvoir comprendre cela. C'est lui qui donne effectivement les rythmes, en fait. Et tout ce qui doit s'opérer, effectivement, et se faire, doit toujours se faire, effectivement, parce que lui, il le veut, et cela conformément à sa volonté, c'est-à-dire conformément à sa parole. Parce que c'est lui qui est donc le berger, donc le souverain, sacrificateur, donc aussi le berger et le prédicateur qui conduit effectivement son troupeau, et il a dit que mes brebis entendent ma voix. Ils ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Dans son église, on n'entend que sa voix. C'est pour cela que nous pouvons arriver à pouvoir comprendre. Regardez que il a dit que je bâtirai donc mon église. C'est évident qu'effectivement qu'il n'a pas demandé l'intervention de quelqu'un pour l'aider à bâtir son église. Il a la capacité.
Parce que nous pouvons nous rendre compte aussi dans les Saintes Écritures, où on nous dit une chose, je pense que dans les Éphésiens toujours, hein, au chapitre 4, on nous dit une chose, et c'est, je pense, cela, oui, c'est le chapitre, oui, voilà. Éphésiens 4, verset 4, il nous dit, d'abord, on peut commencer, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers de Christ dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Vous connaissez la vocation, non? Vous le savez déjà. Oui. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous haïssant les uns les autres avec beaucoup de haine. » Que Dieu nous aide. Amen. Vous voyez que l'Écriture est toujours vraie. Il dit, vous supportant les uns les autres avec eux. C'est cela, oui. Et cela doit nous rappeler effectivement aussi dans Colossiens quelque part. Hein? Regardez très bien. Ainsi, nous pouvons trouver l'Écriture. Merci, Seigneur. Colossiens au chapitre 3. Afin que nous comprenions effectivement quand on s'adresse, à qui est-ce qu'on s'adresse, hein, pour dire que vous supportant les uns avec charité. Donc, charité, donc avec amour. Vous connaissez charité, non? 1 Corinthiens 13. Vous connaissez, non? Alors maintenant, Colossiens 3, il dit quoi? Il dit, voilà. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns. Et si l'un a su se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? De même que Christ vous a pardonné, n'est-ce pas? Pardonnez-vous, vous aussi. Et mais par-dessus toutes ces choses-là, revêtez-vous de quoi? De la charité qui est le lien de la perfection. Vous voyez, dans les Éphésiens, là-bas, on nous en a parlé. Maintenant, on comprend qu'effectivement, que ceux auquel on s'adresse, effectivement, ce ne sont pas n'importe qui, effectivement, ou des soi-disant croyants, des probablement, des peut-être. Non, ce sont donc des élus. Donc, l'élu, effectivement, il a en lui, là, il ne s'efforce pas, mais toujours supporté, il marche toujours avec le pardon, parce que lui, il a toujours l'amour aussi en lui. Et cet amour, effectivement, c'est cet amour divin. Donc, dans son église, comme il dit, alors nous retournons donc dans Éphésiens, au chapitre 4, effectivement, que nous lisons, donc il dit donc, nous lisons le verset 2, il dit, « En toute humilité et douceur avec patience, parce que, vous pouvez quand même comprendre que nous avons lui avec vous, hein, en fait que vous soyez quand même sûr et certain qu'il ne s'agit pas de tout le monde, il s'agit simplement des élus en réalité. Parce que les Éphésiens au chapitre 1, il nous le dit très bien, hein, béni, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où c'est dans les lieux célestes en Christ. Nous l'avons lu, vous savez, quand moi je lis cela, ça réjouit mon âme. Parce que quand tu es béni de Dieu, même si on t'est maudit, la malédiction ne pourra jamais avoir d'effet sur toi. Ça, c'est une chose que tout enfant de Dieu véritable, parce qu'il dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne venons pas pour pouvoir prêter attention. Prestation de qu'on puisse nous voir. Nous venons parce qu'il y a quelque chose dans notre intérieur qui soupire après la chose qui est importante aux yeux du Seigneur. Parfois, nous ne savons pas l'expliquer, mais nous vivons quelque chose. C'est cela, en fait, mon frère. Parce que, alors, c'est cynique, donc, il dit, et puis, en lui, Dieu nous a quoi? Nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est ce qui s'adresse, en fait, aux Éphésiens. Et c'est les caractéristiques, effectivement, de pouvoir voir ce que l'élection produit dans une personne qui a été donc choisie. Choisie, c'est-à-dire qu'il doit être prêt et mis à part. Donc à ce moment-là, s'il est mis à part, c'est parce qu'il a donc un service à pouvoir rendre à Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut que nous soyons dans la condition de pouvoir rendre un service à Dieu conformément à sa volonté et selon donc sa parole. Vous comprenez donc? Alors, nous retournons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4 aussi. Il dit donc, en toute humilité, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Arrêtez de pouvoir vous plaindre. Ça démontre que vous n'êtes pas des croyants.
Les murmures et les plaintes, effectivement, les gémissements toujours. Oh, etc. Ça, ça montre que nous ne sommes pas encore arrivés vraiment en Christ. Nous sommes encore des bébés. Probablement, c'est peut-être que nous sommes encore des païens parce que nous n'avons pas encore cru, effectivement. Parce que nous chantons un cantique disant que nous sommes soldats de Christ, n'est-ce pas? Rêvez notre amour. Terroir. Vous connaissez ça, non? Revêtons notre armure. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que les militaires, ils revêtent son armure, effectivement, et on l'envoie au front, et commence à regarder, maman, mais maman, j'ai besoin. Non, s'il est militaire, il a son armure, c'est que maintenant, je dois combattre. L'esprit militaire rend des gens en lui. Nous sommes des soldats. Tu dois aller au front. Au front, on n'a pas dit que tu vas commencer à recevoir des beignets tout le temps. Non, tu passes des moments difficiles, mais c'est vrai. On a l'impression que non, hein, ça va que tout le temps. Non, c'est que nous devons être de ceux-là qui doivent savoir que non, ça sera difficile, mais je sais que j'ai déjà l'arme qu'il faut pour arriver à pouvoir passer parce que j'ai un général qui n'a jamais perdu la bataille. Pensez-vous que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, effectivement, et puis tout bonnement comme ça, ils mangent la manne avec des raisins, ils rentrent, on va sur le chemin, puis on va rentrer dans les gens, dans le. Mais Dieu leur avait dit qu'ils allaient rentrer. Vous avez remarqué, il était vraiment le général devant. Mais les combats n'ont pas manqué. La bataille n'a pas manqué. Les rois de Sion, rois des Amoréens, vous connaissez, non? Ils ont combattu, Josué a combattu, le peuple a combattu. Vous ne devez pas raisonner, non, nous c'est bon, frère, alléluia, gloire à Dieu, nous allons bon pas sur l'homme, et puis nous allons aller au ciel. Mon frère et ma soeur, sur le chemin, tu vas rencontrer l'ennemi. Nous y rentrons, l'ennemi ne va pas te laisser dormir. Pas du tout, il viendra toutes ses formes, effectivement. C'est toi qui dois arriver à pouvoir combattre et savoir effectivement où j'en suis. Donc, peu importe. Mais il faut qu'on puisse arriver à pouvoir être revêtu des sentiments de miséricorde, effectivement aussi, de supporter. Supporter quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est lâche. Supporter, ça veut dire qu'on lui montre qu'on est fort. Oui. Oui. C'est sûr et certain. Parce que le diable, là, c'est sa tactique. Hein. Si nous avons le temps, nous y entrerons. Il va tout faire pour pouvoir soulever dans la personne, effectivement, de pouvoir te mettre dans toujours mauvaises conditions, effectivement. Et puis la personne, s'il a un fils du malin, il va aussi s'y mettre aussi davantage. Il faut avoir pitié. Bon, enfin, et alors, ce qui veut dire que ça va commencer à pouvoir chauffer. Et le diable va te déstabiliser en tant que fils de Dieu. Mais quand toi, tu ne réagis pas comme ils attendent, tu es plus fort. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que tu as résisté à toutes les tentations. Satan est venu dire, mais je vais la battre. Toi, tu dis, c'est pas possible. Il va regarder, il me dit, mais il va faire quoi? Mais il faudra loin de toi. Tu es donc plus fort. Alors nous lisons, il dit, donc en toute humilité, donc vous supportant les uns les autres. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être dans une position. Il s'agit des fils de Dieu, comme l'a entendu, les élus de Dieu. Ne soyez pas influencés par les hommes. Mon frère et ma sœur, peu importe, ne sois pas comme quelqu'un, cette personne ici, cette sœur ici, ce frère ici, me dérange tout le temps, je ne peux pas le supporter, Seigneur, s'il peut mourir. On pense comme ça. Ah oui, on dit, oh, mais c'est comme ça parfois que les pensées passent en dessous. J'aime bien cela. Dieu vous bénisse. S'il peut disparaître, je serai vraiment tranquille. Alors, un fils de Dieu, une fille de Dieu, arriver à ce point-là pour dire qu'il puisse disparaître, tu collabores donc avec des démons. Parce que le Seigneur, il n'est pas venu pour pouvoir perdre. Il ne nous a pas appelés, nous, pour que nous puissions maudire les gens. Il ne nous a pas appelés, nous, pour prier pour que les gens meurent. Non. Voyez-vous comment il nous a éduqués, instruits. Il dit, c'est lui qui te déteste, là. Aime-les. Donne-lui des bonnes choses. Prie pour lui. Et il te dit par après, il dit, mais tu sais ce que tu fais, là? Tu te fais de tout ton cœur. Ce sont des charbons ardents que tu places sur sa tête. Vous ne comprenez pas Dieu. Il faut le comprendre. Il n'a pas dit qu'il ne vous vengera jamais. Si. C'est lui-là qui te fait. Ne dis pas Seigneur, tu l'es. Parce que si tu dis ça, et tu te réjouis les jours de son malheur, ben Dieu va se tourner contre toi. Parce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit toujours être juste. Ses sentiments comme son père. C'est pour ça qu'il peut dire, c'est mon fils. C'est ma fille, voilà. La personne l'a détesté tellement, mais il ne m'a jamais demandé
que je puisse l'éliminer sur son passage. Mais Dieu doit, il doit se glorifier en toi. Il ne va pas se glorifier en quelqu'un qui est à moitié et qui est toujours en train de pouvoir penser. Non. Il faut que, il a toujours dit, mon frère, dit, mon juste. Donc, c'est-à-dire que le juste est celui qui fait les choses d'une manière droite. Vivra toujours par. Voilà. Donc, il sait que, il a regardé Job, non? Il était tellement dans une joie heureux de pouvoir dire à qui ça, à son ennemi. Parce que Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Vous savez, non? Il dit, as-tu donc remarqué qui ça? Mon. Il n'a pas dit, ça veut dire mon. Mon. Il a dit, c'est ça, mon. Bon, c'est pas long. C'est non. Mon. Les miens. Mon serviteur, Job. Regardez-le, comment il est, ainsi de suite. Donc, Dieu prend plaisir. Cela en fait. Bon, nous retournons ici. Alors, comme je disais, donc, ne jamais être même dans le subconscient, dire Seigneur, s'il peut mourir, s'il peut disparaître, il m'ennuie tout le temps, le fait de le voir et tout ce qu'il me fait, tout ça, je n'en supporte plus, qu'il disparaisse. Pas un fils de Dieu comme ça. Et puis, nous sommes toujours appelés à ce que le maître nous a dit, non? Aimez, priez pour ceux qui vous maudissent, c'est tout ça, aimez ceux qui vous maltraitent, c'est toujours ça. Donc, il ne faut pas qu'on oublie, il ne faut pas qu'on soit amnésique. C'est pour ça, quand nous entendons la parole de Dieu, on oublie souvent. Oui, vous ne voulez pas, c'est vrai, bon, je vous avais dit, on oublie souvent. C'est pour ça que vous ne vous supportez pas. Vous savez vous-même, hein, quand vous ne vous supportez pas parce que vous oubliez, effectivement, c'est que si vraiment la pensée du maître était toujours là. Vous savez, la parole de Dieu vous donne la force. Dieu connaît que nous sommes des hommes. C'est difficile de pouvoir aimer quelqu'un qui te crée des embrouilles. Il est toujours là, des problèmes, ce qui sont venus, tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. C'est ça l'homme. Oh, si nous pouvons vraiment garder sa parole, sûr et certain que les choses se mettront toujours en place. Parce que nous sommes un peuple particulier, nous l'avons entendu, je continue d'abord ici. Nous ne sommes pas comme les autres. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, Dieu vous demandera beaucoup plus. Oui. Sûr que oui. Parce que vous avez reçu plus. Vous dites bien que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous avons reçu donc la lumière. Quelqu'un qui a reçu la lumière, il ne peut pas tâtonner comme les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec la lumière, il voit bien, il fait la différence. Mais toi, ayant reçu la lumière, qui te permet de pouvoir bien voir, et tu tâtonnes comme les autres, et tu fais comme les autres, lui, l'autre là, dans la dimension dans laquelle il l'a reçu, il sera jugé en fonction de ce qu'il a comme connaissance. Mais toi, c'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire, vous devez connaître le Seigneur. Le Seigneur révèle, le Seigneur donne, il révèle. Ce que toi tu reçois comme lumière, tu ne t'y appliques pas comme cela, ses doigts, tu seras sévèrement jugé. Il a dit, hein, nous serons plus sévèrement jugés. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous comprenez, non? Maintenant, verset 3, dit, mais vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de quoi? Toujours des élus, hein. Donc, quand on est un fils de Dieu comme cela, ma soeur,
faut savoir que ce n'est pas un esprit de discorde, effectivement, que Dieu nous donne. Ce que nous avons reçu, comme la Bible le fait savoir, nous sommes les enfants de paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Alors, effectivement aussi, ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour diviser. Parce que l'esprit de division, c'est l'esprit de l'ennemi, en fait. C'est l'esprit de Satan. Dieu nous a donné donc cet esprit, en fait, d'unité. C'est pour ça que lui-même, il pria pour l'unité. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, étant donc fils et filles de Dieu, ayant donc le caractère, étant donc engendré par la parole de Dieu, le caractère de notre Père, nous ne devons pas être parmi de ceux-là qui divisent, qui crée du trouble, effectivement, dans un endroit. Parce que les fils du malin, comme vous avez toujours dit ici, les fils du malin, c'est leur nature. De diviser, créer des troubles parmi les gens, jamais, effectivement, permettre que les gens soient en paix, mais toujours troublés. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, en fait, c'est pas la division, mais c'est l'unité. Nous amenons les gens pour avoir l'unité de l'esprit, effectivement, oui, pour servir les seigneurs dans la paix. Afin qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers les seigneurs pour servir les seigneurs qui nous a appelés à sortir effectivement. Alors il dit, il y a donc, verset 4, un seul corps, et un seul esprit. Je suppose que vous gardez la pensée qu'il est le berger, il est le pasteur de son église et qui conduit. Comme j'ai dit, en fait, là dans cette église-là, c'est lui qui fait tout. Suivez, dans son église. Il y a un seul corps. Vous connaissez le corps. C'est le corps de Christ. Vous savez ce qu'il est, non? Donc c'est ça l'église. Vous savez, non? Un seul corps, qui est donc son corps dans son église, un seul esprit. C'est pour ça qu'on dit que nous avons été abreuvés par un seul esprit. L'unique. De seul, pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 12, c'est cela aussi. Ce seul esprit, ce qu'on dit ici, c'est le seul esprit, donc c'est Jésus-Christ lui-même, oui, qui est venu, donc revenu, donc sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi faire? La Bible dit que, ne savez-vous pas que vous êtes donc le temple du Dieu? Donc, c'est Dieu doit donc habiter dans son temple. Si nous sommes le temple du Dieu vivant, qu'on fasse attention à la manière dont on agit donc dans ce temple. Non seulement les personnes extérieures, mais toi aussi également. Parce que c'est le temple du Dieu vivant. Tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Ne peut pas introduire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères ou de sœurs qui se plaignent. Oh, nous, on est toujours là à nous reprendre par-ci, par-là. Mais ne vous sentez pas repris. C'est ce que le Seigneur s'occupe simplement de ses enfants. Vous aussi, vous êtes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les lieux où Dieu doit tabernacler, il doit être conforme. Parce que c'est son choix. Si Dieu t'a choisi, tu ne t'appartiens plus. Amen. Tout ce que tu es, et ça c'est pas le bien au peuple de Dieu, amen. Tout ce que tu es, c'est ce que Dieu veut que tu sois selon sa volonté à lui. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ce que les hommes offrent. Mais tu m'as formé un. Voilà. Pourquoi qu'il dit, je suis venu au Dieu pour faire donc ce corps en question, c'est le tabernacle d'un Dieu qui me dit, non, il doit agir conformément, il doit être composé comme Dieu le veut, donc il ne t'appartient pas. Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est que tu dois bien comprendre qu'effectivement, que ce que tu as eu à pouvoir recevoir la nouvelle naissance, et tout ce qui te constitue maintenant, effectivement, comme Dieu l'a dit, ça vient de Dieu pour que ce soit quelque chose de parfait
correspondant à sa volonté pour accomplir parfaitement sa volonté. Vous voulez le voir? Ézéchiel 36. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je répandrai sur vous une eau pure. N'est-ce pas vrai? Et il dit, mais j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et puis, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez et que vous mettiez en pratique. Mais, donc, ce ne sera pas toi, mais cet esprit-là, maintenant. Dans ce corps. Est-ce que vous me suivez, sœur? C'est pour ça, quand vous revendiquez vos droits, je pense, il faut qu'on fasse comme ceci, il faut qu'on fasse comme cela. Vous n'avez encore rien de Christ. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous êtes la proie, en fait, à la possession démoniaque. Donc, si Christ n'est pas là, parce que, vous savez, l'être humain, comment il est composé, n'est-ce pas? Partie, vous savez. Que Dieu nous aide. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, dans Luc au chapitre 10, vous avez peut-être oublié un peu. Regardez comment les choses se sont passées. Revenons ici, juste pour faire l'assertion, pour que vous compreniez effectivement ce qui se passe dans l'homme en soi. Dans Luc au chapitre 10, effectivement, la Bible parle effectivement de 70 qui sont donc revenus. Regardez très bien, nous pouvons lire rapidement. Et puis nous revenons à Éphésiens, si le Seigneur le permet. Luc au chapitre 10, et je pense que c'est cela, oui. Luc chapitre 10, hein, c'est cela, oui. Voilà. Verset 17. Le 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont donc soumis en ton nom. Vous avez remarqué? Nous l'avons lu la fois passée. Il dit, mais les démons même nous sont soumis. Ils étaient tellement heureux de voir que les démons étaient soumis. La Bible est merveilleuse. Et ajouter en disant, en ton nom, pas en notre nom, parce que les démons ne peuvent pas se soumettre à nous. Les démons se soumettent à celui qui les a vaincus. Amen, amen. Dépouiller les autorités, les dominations. Oui, messieurs. Il les a livrés. Quand il était là à la croix, les démons ont dit, nous l'avons vaincu. Nous l'avons eu, cet homme. Mais ils ne savaient pas que c'était là que le Seigneur les livrait en spectacle pour qu'ils soient totalement et complètement. Vous ne vous souvenez pas, frères et sœurs, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, Pharaon et son armée ont dit, mais ils sont faibles. Oui, on va le détruire. Dieu les laissa dire, venez. Oui, venez. Ils sont venus avec toute l'armée. Et Pharaon lui-même aussi dit, maintenant là, on va complètement détruire. Parce qu'il dit, il voit, il n'y a personne avec les armes comme nous avons, effectivement. C'est comme ça que Satan aussi et les démons sont dit. Non. Mais voilà, il est faible là. Parce qu'il dit, mais où est son Dieu? Parce qu'il est Élie, dit, mais il est faible, Dieu l'a abandonné. Non, Dieu ne pourrait pas l'abandonner, mon frère, ça. Alléluia! Parce qu'il accomplissait la volonté de Dieu du début jusqu'à la fin. Il est né selon la parole de Dieu, mon frère. Personne ne pouvait le vaincre. Mais il s'est laissé là à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? C'est à ce moment-là que Satan est venu avec toute sa puissance. Il dit, mais je plonge tout dedans. Et il aura fini, il dit, mais avec lui, il termine effectivement. Je reste vainqueur. Non. Quand il a plongé, quand il a tout plongé, il est descendu, il dit, donne-moi la clé. Allez. Il dit, mais c'est pas possible. Tu étais mort. Oui, monsieur. Gloire à Jésus-Christ, mon roi. C'est pour ça qu'il a dit, je tiens les clés de la mort
et des chevaux de mort. Les guillons ont été arrachés. Quand une abeille vous a piqué, il a placé son aiguillon. Il est parti, il va mourir. Il ne peut plus rien faire. Mon frère et ma soeur, c'est merveilleux. Une grâce extraordinaire que l'homme n'arrive pas à pouvoir comprendre et saisir, mon frère et ma soeur. Nous avons la grâce que ce Dieu du ciel nous conduise et nous aide parce que nous sommes le peuple de Dieu. On ne doit pas se comparer aux exils dénominationnels, comme on dit, à ces dénominations, ma soeur, mon frère, toi qui vas gratter ces dénominations, ils n'ont rien du tout. Les dénominations que vous voyez, ils sont morts. Bien sûr que oui. Tout ce que, j'avais dit une fois, si Dieu permet, que je vous parlerai de la démonstration. Tout ce que vous voyez, ah, ils ont fait des prodiges. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des choses qui sont seulement des démons. En grande majorité. Vous direz, frère, mais frère, ma soeur, ce sont ces gens-là qui vous font ces miracles-là. Quand ils ont été touchés par le Seigneur, ils confessent. Comment nous avons été, comment nous le faisons, quand on voit les gens qui viennent, sont malades, effectivement, voilà, vous ne comprenez rien. Oh, les autres, ils ne font rien du tout. Je vous dis, comme vous êtes, ah, l'herbe du voisin parmi les meilleurs. Alors que toi, tu as la meilleure herbe, en fait, chez toi que Dieu t'a donné. C'est triste de mépriser ce que Dieu fait et que Dieu vous donne. Si ce que je vous dis est 100%, je peux vous donner de manière à vous le prouver, bien sûr. Oui, ah, ils ont fait, ils n'ont rien fait. Ils travaillent avec des démons. Ils invoquent des démons. Oui, monsieur. que Dieu nous aide. Vous savez, quand j'avais commencé à parler un peu comme ça, il y avait une demoiselle qui était venue, qui dit, comment ça va? Oh, mais on parle de Satan, on parle de ceci. Mais j'ai dit, mais il faut qu'on nous parle. Parce que c'est lui qui crée la peur dans le cœur des gens pour qu'il soit comme il n'existe pas, il ne fait rien. Non, il faut qu'il soit démasqué. Et vous compreniez en fait l'œuvre que Dieu fait en fait dans votre vie. C'est lui qui vous empêche de pouvoir aboutir, atteindre effectivement ce que Dieu vous a donné. Ah bien sûr que oui. La Bible nous dit que vous avez tout pleinement en lui. Alors, si on a tout, qu'est-ce qui peut nous manquer? Et bien, il faut que vous compreniez, effectivement. Bon, retournons d'abord ici dans Luc, chapitre 10, regardez très bien. Il dit, le 70, donc, revient au Seigneur, les démons même nous sont donc soumis en ton nom. Dans les cieux sur la terre, c'est le seul nom qui a été donné par lequel nous avons la victoire. Et tout genou, on dit bien tout genou, dans les cieux, sur la terre, devra fléchir les genoux. Fléchira au nom du Seigneur. Mon frère et ma soeur, il a tout vaincu. Non, c'est merveilleux d'avoir un tel sauveur, d'avoir un tel rédempteur. C'est vrai, mais si Jésus est venu pour te sauver, toi, pour te racheter, toi, pour payer le prix pour toi, en fait. Bref, regardez bien. Le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi? Parce que les puissants vainqueurs étaient. Je ne sais pas comment pouvoir le dire, mais frères et sœurs, Jésus de la Bible a toujours été un phénomène mystérieux, incompréhensible pour les démons et pour Satan lui-même. Parce que la manière dont Dieu a fait les choses. C'est pour ça, je crois que, même derrière, je comprends et j'ai dit, il est merveilleux. La Bible nous dit qu'il a tressailli de joie. Vous allez comprendre? Oui. Et puis j'ai dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi.
Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées donc. Donc, en fait, Satan et les démons ne peuvent même pas voir ne fût-ce qu'un peu l'accès à la révélation. C'est pour ça que quand il regardait cet homme-là de Galilée, il dit, mais c'est pas possible, il est qui? Parce que bon, il est un homme. Il est, et c'est vrai, Dieu a fait des choses extraordinaires. Il était 100%. Oui, quand on dit 100% homme, avec tous les sentiments que vous pouvez éprouver. Cela a dérouté Satan. Parce qu'il a dit, mais un ange ne peut pas être comme ça. Parce qu'un ange ne peut pas être, parce qu'il dit ça, un ange ne peut pas être, ne peut pas être un homme, non, pas possible. Il est constitué comme étant, je vais y arriver si Dieu le permet, parce qu'il faut qu'on te rende le mode d'esprit. Donc il est constitué comme cela, mais celui-ci, c'est un homme. Mais quand je m'approche, alléluia, Jésus est merveilleux, mon frère. Qu'il soit béni. Hein. Non, non, mon frère. L'œuvre de la rédemption, non. C'est extraordinaire. Et merveilleux, parce que c'est une grâce qui est Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, mais jusque je m'approche. C'est pour ça que quand il passait, le démon tremblait. Il dit, mais qu'est-ce qui nous fait trembler comme ça? Parce que leur temps était fini. Alléluia. Amen. Bien sûr. Bien sûr que oui. Il était 100% homme dans tout le monde de détail. Et aussi 100% Dieu dans tout le moindre. Parce que on nous a dit cela hein, dans Colossiens. Toute la plénitude. Vous entendez cela? Écoutez bien, toute la plénitude. C'est-à-dire que tout ce qui est Dieu. Donc tout ce qui est Dieu. Donc la plénitude était en lui. Alors toi maintenant explique-moi. C'est pour ça que l'équation était compliquée. Alléluia. Parce que Satan pouvait me dire, mais j'étais cet archange-là, je connais Dieu. Amen. Je connais sa gloire, Alléluia. Sa puissance. Amen. Parce que jusqu'aujourd'hui, il tremble. Amen. Parce que la Bible me dit, oui, les démons croient que Dieu existe, ils tremblent. Amen. Vous connaissez cela, non? Donc je te connais, c'est Dieu, je connais. C'est lui qui m'a fait comme ça. Mais il ne peut pas être un homme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, ne jouons pas avec l'écriture. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. C'est plus puissant que vos émotions, votre façon de se sentir, que ce que vos désirs, c'est plus puissant qu'au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Ayons simplement la crainte de Dieu. Là, la Bible nous dit que pour avoir la crainte, c'est une grâce. Il dit, mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si toi, tu méprises la parole de Dieu, et tu n'as pas de sagesse. Remercions Dieu parce qu'il est toujours... Oui. Alors, regardez bien. Dans Luc au chapitre 10, hein. Je vais savoir cela, disons. Mais c'est pas non, je vais toucher parce que ça va. Il dit, ici, voilà. Alors, Jésus leur dit, donc je voyais donc Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, il dit, voici donc, je vous ai donné. Vous l'avez entendu, hein? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il a ajouté, et sur toute quoi? Donc c'est-à-dire toute la puissance que Satan peut avoir, qu'il donne à ses disciples. Oui, très bien, frère. Tous ceux qui les suivent, effectivement, ils vous font sortir effectivement comme des éclairs passés. Oui, c'est vrai. Tous ces miracles que vous voyez, effectivement, aussi mensongers, là. Oui, il est fait. Mais il dit, mais sur toute cette puissance-là, qui peut déployer des séductions et tout ça, je vous donne le pouvoir. Alléluia.
C'est parce que nous ne prions pas vraiment beaucoup. Nous n'aimons pas vraiment le Seigneur de tout notre cœur. Nous nous fafouillons dans les discussions inutiles, des révélations qui même ne sont pas. Parce qu'on aime tellement dire que je connais. Ça ne sert à rien tout ça. Vous êtes vide. Et vous n'avez rien du tout. Là, quand vous prétendez connaître, c'est sûr, quand il y a une petite épreuve comme ça qui vient comme ça, on se dégonfle comme si c'est un... Oui, bien sûr que oui. La connaissance de Dieu vous amène à pouvoir être ferme dans toutes les circonstances parce que vous connaissez qui il est. Vous vous souvenez du témoignage de cette sœur-là, je crois que c'était aux États-Unis qu'on nous a rendu ce témoignage avec un jeune homme qui était donc un incroyant. Arrivé dans cette ville, effectivement, la tempête, vous connaissez, il y a toujours les tempêtes, mais la tempête qui ravageait tout, effectivement, et plus fouillant, s'est réfugié dans une maison. Là, il a trouvé quoi? Une dame qui était là. Et à l'extérieur, c'était vraiment, vous connaissez, la tempête transportait les maisons, le bonhomme tremblait, mais il regardait la dame était paisible. La tempête qui était à l'extérieur et tout ce qu'on appelle des secondes avec des noms qu'on donne, effectivement, ça la faisait même pas bouger. Il dit, madame, mais, il se dit, oh, c'est terrible, toutes les maisons sont en train de porter, mais vous ne tremblez pas, vous n'avez pas peur de mourir. Il dit, il entend la dame, il dit, mais, jeune homme, tu ne les connais pas. Il dit, mais, qui est-ce que je dois connaître dans cette période où j'ai la tempête ici, je cherche un lieu de refuge? Ah, tu ne les connais pas? Il dit, mais qui ça, tu ne connais pas? Il dit, mais, donc tu ne connais pas? Il dit, mais Jésus, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il a vu cette dame-là qui était donc à genoux, mais quand elle priait, c'était pas la dame priait, elle disait, mais la dame priait vers quelqu'un dont on sent qu'elle connaissait bien, qu'il y avait une relation à cette personne, donc avec une paix, priant, lui parlant vraiment, avec une communion tellement profonde, il dit, ça m'a bousculé. J'ai dit, comment est-ce possible? C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, mais tu ne le connais pas. Il dit, mais qui est-ce que je dois connaître? C'est ces jours-là qu'il a connu le Seigneur, en voyant la fermeté de cette femme, la foi qu'elle avait, la manière de parler dans la table, parce que cette sœur-là en question, elle connaissait son Dieu. Elle connaissait la parole. Il savait très bien ce que le Seigneur lui a dit, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'il connaissait, il n'était pas ignorant, mais il avait une connaissance dans la simplicité, en fait, qui a conduit à pouvoir avoir la communion avec Dieu. Souvent, on cherche des connaissances pour avoir la communion avec les uns. Parce qu'ils ont la connaissance. Ils croient comme ça, nous aussi. On va, toujours, on veut se joindre à ceci. Parce que ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Ma connaissance doit me conduire à pouvoir avoir communion d'abord avec le. C'est pour ça que vous remarquerez très bien, nous allons lire, mais parce qu'il est temps aussi. Vous remarquerez très bien, il faut que vous puissiez comprendre, effectivement, c'est que dans l'âge de la Odyssée, les Jésus de la Bible, ils les rejetaient dehors. Alors, qui est-ce qui est dans l'église alors? Si le propriétaire est jeté dehors, qu'avez-vous alors? C'est pour ça qu'il dit, vous êtes aveugle. Il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais même pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne te rends même pas compte que la personne qui peut vous donner la vue, vous l'avez mise dehors. Vous chantez simplement son nom, mais il est donc dehors. C'est ça le problème, en fait. On veut des alliances humaines. Oh, parce que cela est quoi comme ça, et bien nous allons être comme ça, on va avoir amis, on va faire des rencontres comme ceci, comme cela. Ce n'est pas ça que Dieu nous a donné. Vous savez, la manière d'agir du Seigneur, notre Sauveur. Je prie que vous puissiez comprendre et entendre quand vous sortirez de cet endroit qu'il y a un dépôt et qu'il y ait vraiment un changement. Si vous avez des mauvaises pensées en entrant ici, vous le déposez. En sortant, dites, Seigneur, le diable vraiment m'avait séduit. Regarde les pensées que j'avais. Regarde la vision. J'avais une vision erronée. Mais toi, tu as dit, mais viens chercher la colère. Afin que je voie tes yeux pour que tu voies. C'est là ce que le Seigneur, notre Dieu, veut de nous, effectivement, en fait qu'on ne se laisse pas emporter. Vous savez, l'âge de la Odyssée, ce n'est pas une formule, c'est la vérité.
c'est l'âge où Satan a déployé toute sa séduction en réalité. C'est dans cet âge-là, dans cette période-là, que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il serait tellement si près, si tellement près. C'est dans même cet âge-là, on vous dira que Christ est là-bas. Et ceci, c'est ça le mouvement que tout le monde suit. Et on ne voit rien ici, mais là-bas on fait. Mais avez-vous bien regardé? C'est ça le problème. En fait, aussi, la question, on doit savoir, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Bref. Donc, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge où Satan déploie la séduction. Mais vraiment, quand il séduit, il est séducteur. Il ne va pas vous faire de grosses séductions, mais des séductions bien préparées, mais vraiment qui sont tellement si près que quand tu n'as pas l'amour de la vérité, tu reçois une puissance d'égarement. Pour croire à tous ces mensonges, en fait, tu le croiras facile. Juste pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour de la vérité. Qu'est-ce que c'est que donc que la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, mon frère et ma sœur, j'ai entendu des gens qui disent « J'aime Jésus ». N'est-ce pas vrai? Alors le Seigneur t'a dit, toi et à moi, nous tous, ses disciples, effectivement, il dit « Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. » Vous suivez? De toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être. Puis tu dis « Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. » Ah, je suis un Dieu. Donc, Dieu ne veut même pas qu'il soit comparé avec quelqu'un d'autre. Donc, si toi tu l'aimes, tu dois savoir qu'il doit être le seul. Et que tu dois l'aimer de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Vous me suivez? De tout ton être, de tout ce que tu es. Vous me suivez, frère et sœur? Donc, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre que tu peux aimer qui serait égal à lui. Il a dit, je suis jaloux. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu dois t'effacer. Ton amour à toi, ça doit s'effacer pour son amour à lui. Vous n'avez pas bien entendu, hein? Il a bien dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, effectivement. Alors, vous avez votre amour de soi-même. Donc, si toutes tes pensées, c'est pour l'aimer, si tout ton cœur, où est-ce que pourra trouver la place pour ton amour personnel? Vous me suivez? Ça résoudrait beaucoup de problèmes. On ne va pas commencer à envier quelqu'un. Parce que si j'envie, c'est parce que c'est par rapport à moi. À mon amour, vous comprenez quoi? C'est pour ça que vous avez toujours entendu ici, j'ai toujours dit, ton véritable adversaire, n'est pas la sœur ni les frères, c'est toi-même. D'où viennent les disputes, les jalousies, les envies? Mais c'est parce que toi, tu vis encore. Tu as dit, je t'aime Seigneur, mais en fait, tu n'as pas donné la place qu'il doit avoir dans ta propre vie. Alors maintenant, regardez très bien. Puisque tu dis que tu l'aimes, vous me suivez? Amen. Que vous puissiez garder cela aussi. Puisque tu dis que tu l'aimes, il t'a dit comment tu dois l'aimer, n'est-ce pas? Et puis il t'a dit une chose qui est très importante, qui démontre que vraiment
tu l'aimes. Jean 14. Jean, chapitre 14. Il dit, verset 22, il dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Vous y êtes? Jean 14, 22. Maintenant, 23, le Seigneur répond. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, n'est-ce pas? Si quelqu'un m'aime, si vraiment tu aimes le Seigneur, voici les signes. Il dit, il fera quoi? Il gardera. Voilà le problème. De notre bouche, les verbes, ce que Jésus-Christ, je t'aime. Tu peux même chanter ça du matin jusqu'au soir. Tu sauteras ici, on te verra vraiment en sueur et ça trempe. Je t'aime, mon Jésus. Tu vas l'exploiter, tu vas l'exprimer devant tout le monde en chantant, en dansant, même jusqu'à. Quand on termine, tu sors là. Vous voyez, frères et sœurs, vous pensez pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais en fait, sœurs et frères, vous n'y êtes pas. Ce ne sera jamais la faute de Dieu si vous restez sur la terre et que vous ratez l'enlèvement. Je vous ai toujours dit ici, Dieu notre Seigneur n'est pas un éboueur pour ramasser les saletés, mais dans les peines. C'est Satan, en fait, qui floute votre esprit et votre mémoire et qui vous donne quelque chose qui plaît à votre nature. C'est 100% vrai. Nous aurons l'occasion, parce que nous devons rentrer maintenant dans les esprits, si Dieu le permet, mais le temps aussi. Vous suivez? Amen. Pour confirmer cela, c'est ce que l'apôtre Pierre, Paul a dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la. Voyez-vous, qui parmi vous vraiment aime la parole de Dieu? Parce que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, examinez-vous. Beaucoup, on n'aime pas la parole. Après, c'est que quand elle est prêchée, conformez-vous comme ça, habillez-vous comme ça, faites ceci, vous voyez, le lendemain, il vous faut encore pire. C'est 100% vrai. Personne ne peut dire, Seigneur, j'aime la parole, je t'aime effectivement. Vous savez ce que vous faites. Si quelqu'un m'aime, vraiment, ce qu'il va faire, on verra qu'il gardera donc la parole de Dieu. La parole du Seigneur Jésus-Christ dit, ceci tous connaîtront que vous êtes donc mes disciples. Si vous vous rongez les uns les autres, si vous vous détruisez les uns les autres, pourquoi vous dites non? Et pourtant, c'est ce que vous faites. Si vous aimez vraiment la parole de Dieu, vous vous supporterez les uns les autres. Vous vous supporterez avec amour. Je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire ici, comme l'Écriture le fait savoir, je suivrai les temps. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais vous garder longtemps. Je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire ici, j'ai dit, regardez le maître. Il savait que Judas l'Iscariote allait le trahir.
Il le disait toujours, même quand il a lavé les pieds de sa peau, il était tous purs, même. Il y a un qui ne l'est pas. Avez-vous vu les seigneurs pousser, Judas, comme ça, et puis agir avec lui comme ça? Non, jamais. Il est toujours resté. J'aime Jésus, mon frère. Mais il savait qu'il était du malin. Mais il est toujours resté. Jamais il a chassé. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, ils savaient très bien pendant qu'il était là avec ses disciples qu'ils sortaient de nuit pour aller voir les gens du Sanhédrin pour compléter. Ils le savaient. Frère, qui peut cacher, qui peut se cacher devant le Seigneur? Ben, examinez vos cœurs. Examinez vos âmes, ce que vous êtes. Bien que tu es ici, vous savez ce que vous se passe. Le malin, le fils du malin, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup. Examinez simplement. Parce que tout un chacun met la façade du chrétien, du croyant. Ouais. Mais il y a un moyen pour savoir s'il est ou il n'est pas. Vous n'avez pas besoin de pouvoir crier, ah, ça. Non. Vous savez comment le Seigneur a fait? Il a aimé, même Bruno a une responsabilité. Vous savez, c'est ce que Dieu a fait avec Judas Iscariote, non? Le Seigneur a fait, et vous savez cela. Vous aimez quelqu'un, même si son cœur est mauvais contre vous. Vous suivez? Vous savez ce qu'il est à votre endroit. Vous continuez à pouvoir l'aimer. S'il est fils du malin, il va fuir. Il ne pourra pas résister, mon frère, parce que Satan ne peut pas résister en face de l'amour. N'avez-vous pas compris comment le Seigneur a pu agir, effectivement? Vous me suivez? Oui. Dans 1 Pierre chapitre 1, c'est donc chapitre 1, donc verset 22, 23, vous connaissez cela, dit, ayant purifié votre cœur. Vous vous souvenez, non? Pour avoir un amour fraternel, j'ai toujours insisté là-dessus, c'est la Bible qui insiste. Puis ajoute, aimez-vous les uns et les autres. Il nous dit, vous êtes capables d'avoir cet amour, parce que vous êtes né de nouveau par une semence Donc, pour vous, ça ne peut pas échouer. L'amour est une puissance, un pouvoir qui neutralise les démons. Je veux que vous le sachiez, en fait. C'est pour ça que vous pouvez voir que quand vous vous donnez totalement au Seigneur, que Dieu nous aide, nous pouvons vous rentrer dans la démonologie un tout petit peu aussi, dans les Éphésiens, si vous voulez voir. C'est vrai, il a mentionné ça dans Luc. Oui, bien sûr. C'est pour ça que le diable fait tout son possible. Vous me suivez ici? Merci. C'est pour ça que le diable fait tout son possible pour que vous ne puissiez pas aimer l'autre. Bien sûr, regardez très bien. Quand l'amour augmente parmi vous, l'esprit agit. Amen. Et Dieu fait des grandes choses. C'est 100% vrai. Et Satan est dans la défaite. C'est pour ça qu'il va tout faire pour que vous ne puissiez pas vous entendre. Vous ne puissiez pas voir l'amour, effectivement. Alors il vous place dans la défaite. Et l'autre aussi, dans la défaite. Parce que si l'autre, il est dans cette situation, effectivement, et qu'il y a la semence du malin, c'est sa nature, mais pas toi. Parce que ta nature à toi, en tant que fils et fille de Dieu, lorsque tu aimes la personne, s'il est de Dieu et qu'il a été aveuglé, ça le fait sortir. Donc, Satan
a été vaincue parce que l'âme a été récupérée par le Seigneur. C'est ça, mon frère. C'est pour ça, examinez vos actions, en fait. Il peut y avoir quelqu'un qui est à côté de toi, il va te faire des choses tout à fait inimaginables. Mais quelles sont donc vos pensées? C'est pour ça qu'on nous dit, au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, digne d'approbation, digne de louange, effectivement, dans tout ce qui est juste, soit toujours l'objet de vos pensées. Parce que c'est là-bas que Satan va venir injecter. Il a pensé de toi. Tu vas toujours interpréter chaque parole qu'il va dire. Alors que quand il parle, parfois il parle avec un cœur droit. Ah non, il a dit ceci parce qu'il pensait ceci. Et toi, tu commences à voir travailler. Oui, la haine commence sans avoir savoir, sans avoir su que la personne, ce qu'il a dit, c'est ceci. Moi, ça détesté. Tu commences à combattre avec. Je ne l'aime pas parce qu'il a dit ça. Alors que la personne n'a même pas dit comme ça. D'où la haine qui entre effectivement dans le pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Précieux Sauveur et tendre Père, je me tiens encore devant ton trône de grâce aujourd'hui pour te dire merci pour ta bonté, pour ton amour et tes compassions, pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, c'est un océan ta parole. C'est vraiment précieux et merveilleux, bien-aimé Père du sang. Notre désir et notre amour à ton endroit, nous soupirons à pouvoir après s'asseoir devant toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Père, que nous ne voyons plus le monde, mon bien-aimé Père Tibissant, nous ne voyons plus l'État. Nous ne voyons plus, Père Tibissant, ce qui nous environne, mon bien-aimé Père Tibissant, mais celle devant le Maître, mon Seigneur, oh Dieu, celui qui nous instruit, mon roi, étant respectueux, étant consacré, mon bien-aimé Père Tibissant, nos pensées et tout ce que nous sommes, mon bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, vraiment centré vers toi, mon bien-aimé Seigneur, alors nous pouvons dire dans notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, mais sincèrement pas répéter une formule, mon bien-aimé Père Tibissant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait, Seigneur. Parce que tu parles toujours à ton peuple, mon roi. Merci d'avoir parlé à ma sœur. Merci d'avoir parlé aussi à mon frère. Merci aussi de m'avoir parlé, bénémoine Père Saint-Dieu. Je reconnais, je te suis reconnaissant, mon roi, bénémoine Père Saint-Dieu. Parce que tu ne veux être un peuple qui est à toi, mon bénémoine Père Tibissant. Zélé pour de bonnes heures, mon bénémoine Père Tibissant-Dieu. Acquis à ta gloire à toi, mon bénémoine Père Tibissant. N'ayant rien à voir avec le monde, mon bénémoine Père Tibissant. Or, nous savons que ce n'est pas facile, ben, de vivre dans ce monde, mon roi. Mais soupirant après et cette grâce que tu veux nous donner, bénémoine Père Tibissant Dieu, d'avoir Père Tibissant Dieu, l'armure nécessaire, bénémoine Père Tibissant Dieu, revêtez-vous de cette armure, c'est ce que tu as dit dans ta parole à ta bénémoine Tibissant Dieu, merci Seigneur, nous avons besoin de cela, Père Tibissant, ayez la vérité pour ceinture, mon roi, nous implorons ta grâce, mon sauveur, c'est vers toi que nous venons, parce que nous savons que tu es le Dieu qui est capable de pouvoir agir encore dans notre vie et nous donner encore, Père Tibissant Dieu, ce qui nous est nécessaire, mon bien-aimé Père Tibissant, pour grandir encore davantage dans les choses que tu nous as données. Nous sommes fatigués du monde, mon bien-aimé Père Tibissant Dieu. Fatigués, Père Tibissant Dieu, de nous-mêmes, mon bien-aimé Père Tibissant Dieu. Fatigués de notre moi, fatigués de tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a rien de bon, Père Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Purifie-nous avec l'hysope. Nous serons purs, mon roi. Oh, sanctifie-nous, Père Tibissant Dieu. Nous serons saints, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Mon cœur est à toi, mon bien-aimé Père Tibissant Dieu. Mes pensées aussi, Seigneur. Le désir de mon cœur, c'est d'être comme toi, tu le veux, Seigneur. C'est pourquoi j'implore ta grâce encore pour ton Père, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Enfin, car tu agisses encore pour nous, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, oh Dieu. Nous voulons encore t'aimer encore davantage, comme nous l'avons entendu encore aujourd'hui, bien-aimé Père Saint Dieu. C'est lui qui t'aime vraiment, il doit garder ta parole à toi, Père Tibissant. C'est une d'amour à ton endroit, bien-aimé Père Saint Dieu. Ta parole, il y a la prééminence de notre Père Tibissant. Pas ce que moi je veux, me défendre pour ce que moi je voudrais, que ce soit fait comme moi je veux, Seigneur, mais simplement comme toi tu le veux, Seigneur, parce que tu as dit que les cieux et la terre passeront, ce que nous pouvons avoir sur la terre passera, mais ta parole à toi ne passera jamais, Seigneur. Nous voulons être du côté de ta parole, Père. Bénis ton peuple, soutiens, guéris les malades, mon bien-aimé Père, parce que tu le fais, mon bien-aimé Père, tu bénis Dieu, et soutiens et fortifie encore davantage. Merci pour ton amour, merci pour tes compassions, merci pour les enfants, pour nos frères et sœurs qui sont en connexion aussi, mon bénévole Père Saint-Dieu, et ceux qui sont dans le monde partout, Père oh Dieu, garde et soutiens et fortifie. Nous te remercions pour ton soutien, ton secours, car je t'ai ainsi prié, Père, avec ton peuple à toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Vous connaissez ces cantiques? Viens, mon grand. Contemple mon Dieu sur son trône. N'est-ce pas, hein? C'est ce que nous voulons, hein? Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Cent seize dans les phares. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. J'étais à ses pieds, ma couronne, c'est là le bonheur. Vis dans le ciel, vis dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur. C'est là le bonheur, dans le ciel.
Okuna kuna namo.